Ouais, salut mes beards, c'est Parano, on se retrouve aujourd'hui pour le 11e épisode sur Watch Dogs. Donc, avant de terminer le 10e épisode, à la fin du 10e épisode, pardon, je me suis un petit peu amusé à pirater un petit peu les gens à droite à gauche. Je vais pas vous mentir, j'ai dû passer au moins, allez, bien 2 heures à pirater un petit peu tout ce que j'ai trouvé, à faire un petit peu des crimes à droite à gauche, à détecter des crimes. Donc ça a augmenté beaucoup 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 ma réputation de justicier entre guillemets. Je suis passé presque à fond, je crois, si je suis pas à fond. J'ai passé un petit peu de temps aussi sur multi, j'ai essayé de comprendre et voir un petit peu les missions. J'ai vu qu'il y avait pas mal de missions solo. Il y avait pas mal aussi de missions à faire à 3, 8, je crois. Donc j'ai essayé de faire un petit peu toutes les missions solo. J'ai enregistré, vous inquiétez pas, j'ai enregistré une ou deux missions qui étaient assez rigolotes. J'ai bien fait de les enregistrer d'ailleurs, j'ai fait une mission piratage. Crime détecté, ça peut être bien ça. Comme ça, je vais voir mon taux de justicier ou je sais pas comment j'ai. J'ai fait une mission, pas mal de missions piratage. En soi, pour ma part, le piratage, quand il est fait par toi-même, en fait, quand c'est toi qui déclenches la mission, je trouve que c'est plus dur à maîtriser que si une personne te pirate. Après, pour ma part. Il devrait plus être très loin. Ouais, carrément, je me suis arrêté en plein milieu de la rue, pardon. T'as intérêt à avoir de bonnes nouvelles pour moi, mon gars. Pas encore, mais demain, promis. Aujourd'hui, je vais t'apprendre à voler. Direct. Ouais, lui, c'était trop grillé, quoi. Bref, comme ça, je l'ai neutralisé. Donc, on va voir ça de suite. Réputation améliorée. Je suis à quoi? Alors là, je suis full, quoi. Donc, full réputation justicieux. Donc vous voyez que j'ai pas de la merde, hein. J'ai grave grave. En 2 heures j'ai dû faire 5-6 crimes. Attendez. Ouais, tais-toi. J'ai fait 5-6 crimes. Ben voilà. Du coup, voilà, ça a déclenché 12 crimes sur 20 détectés. Je suis monté justicier à fond. J'ai pu par la suite aussi acheter toutes les armes du jeu. Du coup, j'ai toutes les armes, même des armes que j'ai débloquées en multi. J'ai fait 2-3 petites missions. Et franchement, c'est plutôt pas mal. Il y a des trucs qui sont vraiment bien. Il y a des trucs, c'est vraiment cheaté. C'est un truc de malade. D'ailleurs, j'ai pu débloquer une compétence. Je l'ai pas fait en vidéo, mais j'ai débloqué une compétence qui est complètement cheatée. Je montrerai ça par la suite. C'est vraiment cheaté, hein. Quand je dis c'est vraiment cheaté, c'est un truc de malade. Vous faites péter les canalisations. En pleine rue, en fait, vous avez une canalisation en pleine voie, vous la faites péter, mais genre il y a une explosion de fou, mais un truc de malade, quoi. J'ai pas bien saisi pourquoi ils ont mis une sorte de. Ben, une sorte de truc comme ça, quoi. C'est pire que cheater. Déjà qu'il y a pas mal de choses qui sont vraiment énormes sur le jeu, mais là c'est le comble, quoi. C'est franchement. Je sais même pas si on peut le voir, je vais vous montrer. Arbre de compétences. C'est lequel? C'est le dernier, c'est celui-ci. Voilà, canalisation à vapeur. Maintenez carré pour surcharger les canalisations de vapeur souterraines et faire exploser. Et les faire exploser. Mais c'est un truc de fou. Ici, on le voit pas trop bien. Mais genre, je peux vous garantir que dès que vous la faites exploser. Mais c'est un truc de malade. Il y a une explosion. Il y a un truc qui sort du sol, en fait. Mais de la vapeur, quoi. Mais à fond, c'est un truc de malade. Donc, franchement, voilà le petit truc que j'ai augmenté. Ça, je pourrais le faire. Je l'ai pas fait. J'essaie aussi d'augmenter les combats, si je dis pas de bêtises. Où je ne l'ai pas encore fait, non, résistance aux explosions, j'ai déclenché celui-ci. Pour le rechargement rapide, je crois, si je dis pas de conneries. J'ai opté pour le rechargement rapide. Focus critique, nécessite le sprint furtif, pote. Ah, ça peut être pas mal aussi, j'avais pas vu. Ouais, ça c'est moins. Ouais, d'accord. Donc je sais pas, après on verra par la suite. Donc voilà, entre ça, un petit peu le multi. Je vais pas dire que je l'ai tâté, hein. Non, pas du tout. J'ai fait vraiment des missions tranquilles comme ça. Je sais même pas si. Contre en ligne, voilà, piratage en ligne 1 sur 10. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre encore? Ouais, les courses, je les ai pas faites parce que c'était à plusieurs. J'ai fait des filatures, j'en ai fait une. Et j'ai fait une mission CityOS. Donc j'ai pas bien saisi le concept. Je sais pas si c'est le mec qui joue via directement son téléphone ou son iPad. Parce que j'ai l'impression que c'est lui qui dirige toutes les unités en fait au sol. Que ça soit police, que ça soit toutes les bouches de canalisation, les ponts, les feux et tout ça. Et il essaie de vous barrer la route et vous avez 8 checkpoints, je crois. Et vous essayez d'aller sur chaque checkpoint. En fait, il faut aller sur chaque checkpoint avant la fin du temps est parti. Enfin, voilà, avant le chrono. Et c'était plutôt rigolo, sauf que voilà, les mecs, il y en a, ils sont genre sans pitch, quoi. Mais quand je vous dis sans pitcher, c'est genre, il y en a, ils m'ont fait péter un câble.
Les mecs, ils m'envoient 800 condés, ils font tout péter à droite à gauche et tout, mais c'est un truc de fou. Genre, tu passes deux checkpoints, c'est fini quoi. C'est fini. Bref, donc ça, je pense que je le montrerai plus tard quand j'aurai fini le let's play. Là, on se reconcentre sur l'esprit, c'est juste pour voir vraiment, voilà, qu'est-ce que. Voilà, je m'attends à quoi sur le jeu, qu'est-ce qui m'attend après quand j'aurai fini le let's play, et ça peut être vraiment rigolo. Donc j'ai débloqué toutes les armes, je vous ai pas même parlé du multi, j'ai débloqué aussi pas mal de petites missions comme ça, vous avez pu le voir à droite à gauche, du fait que je cours dans tous les sens, il y a pas mal de petites missions bleues qui se sont mises surtout dans cette zone, j'en ai fait quelques-unes aussi, voilà, pas mal de petits trucs. Donc je pense que j'ai un petit peu résumé mes 2-3 heures offline. Puis voilà, j'ai vu aussi, j'ai voulu changer de vêtements, j'ai acheté pas mal de tenues, mais elles sont toutes un petit peu pourries, hein, franchement, pour le coup, il n'y a pas un truc qui m'a intéressé vraiment plus que ce que je porte actuellement. Donc voilà l'équipe, et aussi non, en parlant de l'histoire, si vous nous rejoignez, l'histoire en fait, on venait de... Ben, on essaye de faire chanter le cousin d'Irak, excusez-moi, je crois que ça s'appelle Big Bud, ou je me rappelle plus exactement son pseudo. Et on essayait de le faire chanter et il nous a dit que son cousin Irak se rendait, je crois si je dis pas de conneries, à une sorte de d'enchère un petit peu bizarre. Donc on essayait de trouver une personne sur une liste pour essayer de s'incruster dans cette soirée en fait. Oh là là, je suis en train de me faire hacker. Allez, c'est parti. Donc petite intrusion. J'ai un fixeur aux fesses. Faut que je m'en débarrasse tout de suite. Donc ça arrive très souvent maintenant, j'ai l'impression que les mecs, ça y est, se la régalent. Ils essayent de nous hacker toutes les 4 secondes. Je pense que je vais me régaler. Hein. Je vais me régaler. Déjà, pourquoi tu cours toi, mon ray? D'accord, c'est pas toi du tout. On va le pister, vous inquiétez pas. Donc ces petites missions, voilà ce que je vous disais tout à l'heure, bon ça c'est, oh là là, c'est du multi, hein. Je vais pas vous mentir, c'est du multi pur et dur. Le mec n'a pas encore déclenché le piratage, il doit essayer de chercher une planque. Alors j'ai filmé, je vous la montrerai, je pense un petit bonus ou... Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai pas eu de chance peut-être. Ah d'accord, j'ai pas compris. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Le mec a disparu. Bon, il a dû être déconnecté en fait. Il a dû avoir un problème de connexion. Et tant pis pour lui. Tant pis pour lui, ouais, ça arrive très 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 fréquemment. Ouais, maintenant on arrive à les gérer. C'est assez facile à les pister, les mecs. Et je vous mettrai une vidéo où le mec il faisait que de passer à côté de moi. Genre, je marchais comme ça, normal. Et genre, il me faisait flipper le mec. J'ai dit, c'est bon, il m'a repéré et tout. Je vais me faire défoncer. Et le mec il tournait autour de moi. J'étais mort de rire. Et il m'a pas trouvé, donc c'était plutôt rigolo. Je la mettrai en bonus ou... Il faut que je sois prudent. Si une chose est sûre, c'est que Damien restera pas les bras croisés. Il a ses propres plans. Bon, pour l'instant, il me faut cette mallette. Bastonnet, est-ce que je t'explique l'importance de la mission? Tu vois cette mallette que tu transportes? Elle contient pas que des noms et des invitations. Elle contient l'avenir de notre profession. Vérification d'antécédents, indiscrétion, tendance. Tout ce dont Queen a besoin pour s'assurer de la loyauté de ses invités, compris? Alors t'as intérêt à en prendre soin comme si elle était remplie d'or. J'aime bien en fait le fait de jouer en multi, je vais pas vous mentir, ça m'a aussi un petit peu montré. Alors tu vois la mallette? Oui, elle se déplace. Attends, j'y crois pas. Quoi? Les hommes de Queen essayent de faire un truc très old school. Un échange de mallettes. Non mais sans deck. Ça marche. Et d'où ça tire là? Alors j'allais vous dire avant qu'elle parle. Ça vous montre un petit peu comment vous pouvez vous infiltrer de plusieurs façons, essayer de vous planquer et tout. Donc là pour le coup j'ai fait la merde parce que j'avais pas vu qu'il y avait le mec devant moi. J'aurais dû pister un petit peu, je sais pas s'il y a des caméras. On me dit pas qu'ils vont remontrer le bordel. Si si, ils vont le remontrer. Bon c'est pas grave, on l'a refait. Est-ce qu'il y a une caméra dans le coin?
Elle contient l'avenir de notre profession. Vérification d'antécédents, indiscrétion, tendance. Tout ce dont Queen a besoin pour s'assurer de la loyauté de ses invités, compris ? Alors t'as intérêt à en prendre soin. Ça vous montre pas mal de façons de jouer différentes. C'est vraiment cool, hein. Franchement, c'est vraiment cool. Là, pour le coup, franchement, je vois pas comment je pourrais le filer, lui. Sachant qu'il y a ce bâtard qui me bloque la route. Alors, tu vois la mallette ? Oui, elle se déplace. Attends. J'y crois pas. Quoi ? Les hommes de Queen essayent de faire un truc très old school. Un échange de mallettes. Non, mais sans deck. Ça marche vraiment, ces trucs-là ? Je sais pas, j'en ai jamais vu en vrai. Pourquoi ils font ça ? Ils espèrent tromper le CityOS ? N'importe qui pourrait voir l'échange sur un moniteur de surveillance. Ils veulent perturber le logiciel de détection. Intéressant. Non, mais du coup, si je passe devant ce gag, il va me griller, non ? Même pas. Et en plus, je me fais de la thune, quoi. Genre, ils me font trop délirer, les mecs. Ils font ça, genre, ils se passent la mallette comme ça, genre. Ils croient sérieusement qu'on va pas les griller. Et les chips ils tournent en rond. Ok. Ah d'accord, on va prendre le bateau. Oh ça pique ça par contre. S'ils prennent le bateau. Ok, il a balancé la mallette. La mallette est sur un bateau qui remonte le fleuve. Je vais utiliser ma moto pour le suivre. Je peux peut-être voir où il dirige. Attends une seconde. Qu'est-ce qu'on a pas loin ? Si tu veux mon avis, le trajet va être court. Ils vont sûrement refaire le coup à un autre endroit. Ok. Non. Non. Ah, là, la vieille marina. Achetée par Lucky Queen en 1967. C'est forcément là. Apparemment, elle est fermée au public depuis les années 80. Prends la moto, frérot. Oh, t'es sérieux, frère. Et la moto, tu as vu où elle est ou quoi ? Elle est à 800 km. Il y en a une autre avant ou ça se passe comment ? Parce que... Je vais prendre ma moto, c'est bien beau, mec, mais... LOL. La mallette est d'accord. Sur un bateau qui remonte le fleuve. Je vais utiliser ma moto pour le suivre. Je peux peut-être voir où il dirige. Attends une seconde. Eh ouais, mais frère. Si tu veux mon avis, le trajet va être court. Mort de rire. Ça a toujours été mon fort, les filatures. Comment tu veux que... Normal. Tu vois un mec qui se balade en moto, genre comme ça... Sérieux, frère. La mallette est sur un bateau qui remonte le fleuve. Je vais utiliser ma moto pour le suivre. Je peux peut-être voir où il dirige. Attends une seconde. Qu'est-ce qu'on a pas loin ? Si tu veux mon avis, le trajet va être court. Ils vont sûrement refaire le coup à un autre endroit. Ok. Non. Non. Ah, là, la vieille marina. Achetée par Lucky Queen en 1967. C'est forcément là. Apparemment, elle est fermée au public depuis les années 80. Attention frère. Je fasse comment là ? Sérieux ? Et là, je fais quoi ? Je vole là, Superman ? Mais non, je le perds pas.
Oh wesh, calmez-vous, qu'est-ce qu'ils ont eux? Comment j'y vais là-bas? Ok. Sans me faire opérer, hein. Je pense que ça va être épique, non? Le lance-roquette, non? Ça le marque pas. Quoi? J'aime quand tu parles de discrétion, je suis promis à me faire griller tout le temps. Oh putain, y'a un mec là-bas. Non, y'a personne, Kono. J'aime bien, ça parle, mais je vois des gueux. Ah, ça pue le caca là. Ma foi, moi qui croyais que ça allait passer, ben pas du tout. Allez, on reste concentré. Donc t'allais arrêter à la... Avant que t'ailles alerter tous tes cousins. Ouais, ils sont trois et en plus, je sais pas, c'est bizarre comment. Je vais t'envoyer la liste des invités. Je sais pas ce qui se vend aux enchères, mais le club ne prend aucun risque. La sécurité sera renforcée. Bon, il te faut une identité crédible. Pas celle d'un client régulier. Quelqu'un qu'ils ne pourront pas reconnaître. Peut-être un étranger. Ok. Voilà. Tu peux te faire passer pour un monsieur Ping. Non, je pense pas. Y a pas un Européen? Nicolas Crespin. 32 ans. Américain expatrié. Mais parvenu depuis 12 ans. Eh ben voilà. Oh la vache. Il y a une liste de ses préférences. C'est un malade ce mec. Et blindé de pognon. Eh ben il manquera à personne. Qu'est-ce que tu veux dire?
Clara. Si je vole son identité, je peux pas le laisser griller ma couverture. Je peux pas le laisser en vie. Oh. Non, j'imagine que non. Clara, ma sœur a disparu. Et je suis prêt à tout pour la retrouver. Si c'est trop difficile pour toi, tu peux encore arrêter. Je comprendrai. Non, ça va. Cette ordure manquera à personne. C'est lui qu'il nous faut. Il est censé récupérer une voiture chez un concessionnaire. Ok. Je vais l'attendre là-bas. Ok. J'y vais justement sur la route. Donc il y a je sais pas combien de mètres. Le concessionnaire est à Mad Mile. Je dois d'abord pirater le centre de contrôle du district. D'accord, ok. Donc on va partir dans une nouvelle zone alors. Faut que on aille pirater le site OS de Mad Mile. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. En plus j'ai alerté les condés du coup. Mais comment ils ont permis? Tes souhaits. C'est le mec dans le jeu, il éternue. Normal. Putain, merde, j'aurais dû le pirater avant de retirer. Non, c'est pas grave. Alors. Comment est-ce que c'est comment on part ici? Déjà, c'est à ciel ouvert. Ok, ça a l'air de puer là-bas. Alors, je peux pas avoir la caméra, s'il vous plaît? Hé, hey, t'as rien à faire là! Ok, bon, ouais. Je vais me casser, tranquille. Tu veux que je te flingue ou quoi? Il menace encore, je crois. Dégage, connard! On se te promet que je te bute! Ok, ok, putain. Bon, déjà, j'en ai repéré quelques-uns. C'est moi qui vais débuter, tu vas rien comprendre. Bon. Moi, je me fous de ce qu'il fait pendant son temps libre. Ça le regarde. Donc, déjà par ici. On peut passer par là. J'aurais bien aimé voir ce qu'il y a par le fond, mais quelque chose me dit que ça sert à rien. Bon, déjà, c'est parti. Moi, je pourrais peut-être filer les gens un peu mieux. Bon, amène-moi une autre caméra, s'il te plaît, toi. Ah, oh le bâtard. C'est bon ça, j'ai téléchargé le code. Maintenant il faut que j'arrive à voir. Je suis sûr qu'il va m'amener autre part lui. Ok. Ah, il avait une caméra sur. Je sais pas ce que j'ai fait. Non, je vais pas faire exploser tout de suite. Y'en a marre de faire tout exploser. J'ai envie de la faire discret pour une fois là. Alors, on va se rebrancher sur cette caméra. Lui il en a une, mais c'est quoi ça? D'accord, c'est pour la tirer. Qu'est-ce qui se passe par ici?
Allez, fais ton tour de ronde, putain. Ah non, juste quand tu l'as tourné. Ah, fuck. Point de départ. J'aime bien ce système de... Ça aurait été trop simple s'il y a des caméras tout le temps, donc ils vous font vous servir des carrément des persos. C'est malin, c'est très très malin même. C'est des enfoirés un petit peu. Oh putain. J'ai rebaissé les stores, je crois, sans faire exprès. Voilà, c'est ce que je voulais faire. Donc, lui. C'est normal qu'il bouge le truc là. Non, c'est pas normal. Skibby. J'ai pas eu ça. Oh si, oh putain, je croyais qu'il tournait dans l'autre sens. Ah, un coup de merde quoi. J'ai pas envie de les attirer vers là vu que c'est vers le fond, donc si je les fais exploser ça servira strictement à rien. Voilà. Ok, donc on est de retour avec toi. C'est juste sur la droite. Est-ce que tu vas faire un tour? Dis-moi que je vais faire un tour de garde. Allez, fais quelque chose. Me dis pas que je vais devoir rentrer en mode bourrin pour tout défoncer. S'il te plaît. S'il vous plaît, monsieur. Il veut vraiment pas bouger, lui. C'est un truc de ouf. Ah, mais lui, son but dans la vie, c'est de rester comme ça à jamais ou... À jamais, forever. Alors, il y a que lui qui bouge. Le système est juste là. Comment je vais faire pour lui accéder? Il se passe quoi là? Il est où le système là? Allez, vas-y, fais-le encore! Vas-y si t'as des couilles! Ah ouais? Tiens. Ça te plaît? La vache! Oh! Ah, 12 mètres! Ah putain, non, retourne-toi! Cherchez de ce côté! Oui! Les chacals. Ah putain, mais par contre il fout là. On va se partir. Il y a quoi là? Ah peut-être si là. Non. Non, c'est pas par là pour le moment. Comment ça, il est pas ouvert? Ouvrez l'œil. secondes. C'est un truc, ça rend ouf ça. Au bout d'un moment, ça commence à rendre fou ce truc. Ok, ok. Eh ben. Et le deuxième il part de là. Frère, laisse tomber.
Et voilà. Non, c'est pas vrai, c'est pas moi. Ni vu ni connu. Mort de rire. C'est bon, on va attendre un petit peu avant de retirer. Alors, point d'accès, on est déjà à 30 minutes quoi, putain. Oui, bonjour, c'est Aiden, l'oncle de Jackson. Je voulais simplement m'assurer que tout allait bien. D'abord, je veux savoir comment va Nikki. On n'a reçu aucune nouvelle d'elle. Elle a encore quelques problèmes à régler. Il va lui falloir un peu plus de temps. Dites-lui qu'elle manque beaucoup à Jackson. Elle devrait au moins l'appeler. Il est de plus en plus agité. Il n'est pas heureux ici. Je comprends. Je lui dirai. Si jamais vous avez un problème avec Jackson, s'il s'échappe ou quoi que ce soit, appelez-moi directement. D'accord. Prenez soin de votre sœur. Oui. D'accord. On va essayer. Je dirai rien, vous avez ma parole. T'as intérêt, mec, je te défonce. Vous m'avez pas vu ou quoi? Hier, mort de rire, j'ai vu une femme parler de je sais pas quoi, de sexe. Genre en piratant là. Ah, mais j'étais plié en deux quoi. Fait du striptease sur le net. Mort de rire. Grosse cochonne. T'as l'air pas belle en plus. Merde. J'oublie toujours que Clara n'est pas habituée à tout ça. Je vais finir par l'effrayer si je fais pas attention. Crispin va me permettre d'accéder aux enchères, c'est ma seule chance d'approcher Irak. Mais pour ça, il doit disparaître. Arrête de cracher. Combien de mètres? 50. C'est ça la fameuse canalisation, mais j'ai peur que si je l'enclenche. C'est trop exposé ici. Vaut mieux que je sois discret. Ok. Pourquoi ça marche pas? Ah d'accord. Quelle dinde. Vito. Wesh, sérieux ou quoi? Mais le timer il est direct lancé. Pas sérieux, frère. Je sais que c'est tout pété à faire. Pourquoi il me laisse pas le temps de le faire? Merde. Monsieur Quinn tient à ce que votre première visite à Chicago soit inoubliable, monsieur. Fait un joli bruit, hein? Exotique et rapide. Monsieur Quinn ne savait pas quelle couleur vous plairait, alors vous choisissez.
qu'elle soit prête à mon retour. Il doit avoir le planning ou quelque chose dans son téléphone. Je peux pas le laisser s'enfuir. T'as entendu parler de cet enculé ? Un gros pervers. Oui, n'a pas besoin de fric. Pourquoi il veut s'associer avec son mari ? Rire lui, comment tu veux que je le neutralise comme ça là? Y'a personne qui a des bombes sur eux en plus. Tu peux pas les attirer vers un endroit ou... Qui est parti. Il est trop bien gardé le mec. Je vais tout défoncer à la CR, ouais. Je peux pas neutraliser, mettre du CK derrière la porte et tout faire sauter là. Non, non. Pas moyen. Et si je faisais un petit blackout histoire de changer un petit peu? Descendez-le, faites votre boulot, c'est putain! Quoi, ce... Merde! Oh. Trouvez-le, mais faites gaffe! C'est un putain de vicieux! Monsieur Crispin, je vais pas tourner autour du pot comme mes associés. On m'a chargé de m'occuper de vous et je connais bien vos hobbies. Désirer dresser les filles après avoir quitté le pays, c'est votre affaire. Mais ne vous avisez pas de mettre M. Quinn dans l'embarras pendant votre séjour à Chicago. On a un cadeau pour vous à l'infini de 92. Demandez le menu Poppy. On vous remettra votre invitation pour la vente aux enchères. Apparemment, ce pervers de Crispin devait récupérer quelque chose dans le club Infinite 92. Il appelle ça le menu Poppy. Infinite 92. Pas de résultat officiel. On en parle dans quelques fils de discussion ici. Ah, donc c'est un club fétichiste pour messieurs. Clandestin, évidemment. Donc le menu Poppy, ce serait une femme? Ça collerait aux infos que Quinn avait sur Crispin. Je suis pas sûr que Poppy aurait survécu à la rencontre. C'est quoi exactement cette vente aux enchères? Je crois qu'on connaît tous les deux la réponse. Bon, je vais au club. L'invitation de Crispin est là-bas. Mort de rire, vous avez vu comme je les ai lobés, hein? Je voulais juste regarder un truc en fait. Est-ce que la voiture on peut la prendre, la grosse là? Parce que franchement elle m'aurait bien intéressé, hein. En plus elle était belle la couleur et tout. Mais bon, j'ai pas fait TB jusqu'à présent. Je vais pas faire TB maintenant. Me faire remarquer pour rien là. Non, je pense que c'est plus judicieux de partir comme ça. On s'en fout de la voiture, on en aura une. Et puis elle, il est où le truc? Je pense qu'il doit être marqué cet endroit, non? Non, il est pas marqué, bon c'est pas grave. Au pire on l'achètera. Oups. En fait, je vais pas vous mentir, le système de caméra des voitures, je sais pas si peut-être c'est moi, je... Si je mets la voiture plus près, est-ce que... Voilà, c'est vrai qu'effectivement, la caméra, là, elle suit plus le véhicule. Ça peut être beaucoup mieux, hein. Au lieu de la mettre vraiment, vraiment en arrière, comme je fais moi, la caméra. J'ai toujours joué comme ça, en fait, avec les caméras en arrière. Oh putain, merde. Je l'ai écrasé ou... Non, ça va. Il a pas l'air d'être mort.
Et oui, après 11 vidéos, j'arrive toujours pas à conduire. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai décidément vraiment du mal à conduire. Et non, pour la personne qui m'a posé la question, est-ce que tu joues à des jeux comme Gran Turismo et tout ça? Non, non, je ne joue pas à ces jeux de voiture, je suis pas fan. Ok, me voilà enfin prêt pour le bal des monstres. Je reste concentré, je parle le moins possible. Si Crispin est aussi pervers que ça, je risque d'attirer l'attention. Je trouve l'invitation aux enchères et je me tire. Ok, donc nous, on va s'arrêter ici pour cet épisode et on reprendra juste là où on s'était arrêté aujourd'hui. Je vous dis à très très bientôt. Merci d'avoir regardé cet épisode encore. C'était Parano pour la Noctu. Allez, peace.